Salem Marécou, je suis la maman de Jean-Louis Denis. Comme vous savez, il a un projet de partir dans un pays sous-développé et de faire une ferme, une collectivité entre musulmans. Je trouve cette idée bonne, mais très dure à être réalisée avec la situation actuelle. Mais il a toujours eu cette idée, et moi aussi. Moi, quand j'étais jeune, je me voyais dans le sud de la France, dans une ferme, et avec les enfants, où ils doivent pas mettre des chaussures et s'habiller à la mode. Et c'était mon rêve, vivre comme les... Naturellement. Mais puis j'ai été enroulée dans la vie, soi-disant agréable. Et je suis arrivée à, depuis que je suis musulmane, à savoir la vérité. Il n'y a rien d'agréable dans la vie de débauche. Rien. Il n'y a que des ennuis, on n'a rien. On vit dans l'illusion. Et ce qu'il veut, c'est vivre de la terre. Les plaisirs simples. Il y a un moyen d'être heureux, j'en suis la preuve. Je ne suis que... Avant, il n'y avait que le plaisir qui comptait. Maintenant, quand il m'apporte une framboise du jardin, ben, c'est une forme de bonheur. Quand je mange une bonne pomme de terre, c'est une forme de bonheur. Avant, je mangeais goulûment, sans me rendre compte qu'il fallait de l'eau pour faire pousser tout ça. Les gens vivent d'illusions. Il faut tout, de l'électricité pour tout, il faut du gaz pour tout. Et l'argent va où? Dans des multinationales, qui profite de ça? Pas nous. Pas nous. Voilà, c'est... Et j'ai permis son projet. Je l'ai mis à mon nom parce que les gens... Ils ont confiance en moi, j'espère. Voilà. Salam alaikum.